le message de l'homme saga a tout indiqué. Dans un post sur sa page officielle, le mari de Amisara n'est pas passé par quatre chemins pour éveiller la conscience des Digues sur les atouts qu'ils représentent non seulement pour eux-mêmes, mais également pour le showbiz ivoirien. Il dit, et je cite, « J'aimerais m'adresser aux Digues platés. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous représentez pour notre industrie musicale, mais je pense qu'il est grand temps que vous réorganisez votre secteur. » Vous recensez tous les digues platines de Côte d'Ivoire, je dis bien tous les digues platines de Côte d'Ivoire, et vous votez un président. Pour vous toucher tous, ce sera plus simple. Il faudra passer par votre président. Chaque artiste de Côte d'Ivoire devra payer 20 000 francs par mois si jamais il souhaite que vous jouiez ses sons. À chaque fois qu'un artiste aura un nouveau son, il envoie au président et le président à son tour trouve le moyen de vous transférer le son. Tant que l'artiste est à jour de ses cotisations, vous accélérez très bien sa promo. Celui qui n'est pas à jour, vous dosez sur lui. Aujourd'hui, c'est difficile de vous toucher. Nous ne sommes pas au stade où l'artiste doit se promener partout pour vous donner ses sons. Réfléchissez et mettez l'association en place. Il y a près de 1000 artistes et ça vous fera 20 millions chaque mois. Vous gagnerez en argent. Les artistes gagnent en communication efficace comme ça. Il n'y a plus à faire de tel artiste ne m'a pas moussé, donc je ne peux pas jouer sa chanson. A posté l'homme saga à l'endroit de Digué. Espérons donc que ceux-ci mettent à profit ses conseils.